Oh, calme, sans pression, mon ami, bienvenue sur Ichimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu nous découvres, merci de t'abonner, ça nous fera plaisir. Et au plaisir de te compter parmi les Ichizens. Sur ce, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment je vais déplacer mon stop loss, je vais faire un break even pour sauvegarder un peu de points. Sur ce, c'est parti, mon kiki. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ok, parce que c'est les vacances, le marché n'est pas très 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 positif, donc vaut mieux partir en vacances, vaut mieux s'éloigner des écrans, des graphiques, tout ça, faire une pause, ok. Mais ce n'est pas que nous sommes en vacances que hein, ça nous empêche de regarder un peu de temps en temps le marché. Donc moi, la semaine dernière, depuis le 20, je suis en position en sell, en vente sur le NZ USD. Et c'est ce trade que vous voyez là. Donc, je vais tout simplement déplacer mon stop loss. Aujourd'hui, nous sommes le 29, je crois. Nous sommes le 29. Nous sommes jeudi 29 août. Et moi, je suis en position depuis le 20, la semaine dernière. Je vais vous montrer où je suis entré en position et pourquoi je suis entré en position. Et maintenant, surtout, je vais faire un break even. Je vais déplacer mon stop loss. Comment bien le déplacer avec les indications de Ichimoku. Ouais, c'est le matin. Je suis voilà. Si vous attendez ma voix qui est un peu bizarre, et c'est pas grave, c'est juste le contenu de la vidéo qui est intéressant. Donc, sur ce, mais toi, je t'avais fermé, non? Allez, c'est parti. Donc, là, nous sommes sur un ZUSD, un M15, parce qu'un M15, je suis mes trades. Je déplace mes stop loss tout ça en M15. Pourquoi? Parce que avec Ichimoku, c'est surtout cet horizon de temps qui est M15 et H4 qui donnent les meilleurs signaux. D'accord? Donc moi, j'ai fait mes analyses partout, mais je prends position en M15. Comme ça, j'anticipe un peu le mouvement. Ok? Et donc pour sortir de position aussi, je regarde les signaux qui sont donnés aussi en M15. Sinon, il faut que les signaux soient validés aussi en H4. Ok, excusez-moi par ce. Mais bon, donc je vais vous montrer tout simplement comment je suis entré en position et pourquoi je suis entré en position. Donc là, on vient sur H4 et là, vous voyez, j'ai remarqué ceci. J'ai remarqué cette belle tendance baissière avec le nuage qui est très très baissier. Ok, avec une belle inclinaison ici du nuage. On voit très bien comment le nuage est bien incliné vers le bas. Ça, c'est parfait, ça. Et en plus de cela, ça nous donne aussi une indication sur la force du mouvement. D'accord? Comment on voit ça? On voit ça tout simplement avec le nuage, l'épaisseur du nuage. On voit que le nuage n'est pas très épais. Ok, on voit qu'il est mince ici. Ça nous donne une force de la tendance. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons aussi la Tenkan-sen et la Kijun-sen, la lagging span, qui sont bien en baisse aussi. On voit que la Tenkan-sen, ok, chez moi, c'est en rouge. La Kijun-sen, c'est en bleu. D'accord? Et on voit comment ils sont proches. D'accord? Ça, c'est parfait, ça, pour une belle tendance. On voit que les deux droites, on va dire comme ça, Tenkan-sen et Kijun-sen, ils sont à la baisse. Et ils nous donnent le momentum baissier, que ce soit sur les 9 dernières périodes ou les 26 dernières périodes. On voit que la Kijun-sen est fortement baissière ici. On voit comment la Kijun-sen est bien orientée aussi. La Tenkan-sen est bien orientée aussi. Donc ça, c'était parfait. On voit la lagging span aussi qui, elle est complètement libre de tout mouvement. D'accord? Donc ça, c'était parfait aussi. Donc il fallait entrer en position tout simplement. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ok, là nous avons un fort mouvement baissier, donc moi je vais faire que des ventes, bien sûr. Donc un achat, en vente. Donc moi j'ai vu tout ça. Donc moi, comment je suis entré en position, on va zoomer un tout petit peu parce que je vois que moi je suis entré en position à partir de cette zone ici. Ah, ok, parce que moi c'est depuis le 20 à 18h, okay, que je suis entré en position. Ok, moi je suis en plein déménagement, donc j'ai pas vraiment le temps de regarder le marché, tout ça. En plus,
Donc, mais c'est pas que, ok, on n'a pas le temps pour ça, ce n'est pas que on ne travaille pas. Non, il y a le travail qui se fait, ok, préparez-vous à avoir quelque chose de lourd, ok, dans les mois qui arrivent. Donc, ici, nous sommes le 20, ok, et c'est dans cette zone-là que je suis entré en position, d'accord. Là, on est à 16h, et moi, j'ai pris position à 18h, donc c'est à peu près ici. D'accord. Donc, je suis entré en position. C'est ici. C'est dans cette zone-là. Propriété, on va mettre ça en jeu. Comme ça, je suis entré en position ici, dans cette zone-là. D'accord. Moi, quand j'ai remarqué tout ce que je viens de vous dire, et après cela, j'ai vu ici, hein, dans cette zone ici, hein, que les bougies, les chandelles japonaises sont rejetées ici, les prix sont rejetés ici par la Kijun-sen ici, la Tekken-sen ici. La Tekken-sen qui joue bien son rôle de résistance ici, et la Kijun-sen qui renforce cette résistance qui est la Tekken-sen ici. Ok, quand j'ai vu ça, ok, les prix ont été rejetés ici. On voit aussi. Moi, j'ai pris position, hein, honnêtement. J'ai pris position en H4, depuis le H4. D'abord, après, je suis allé en daily. Et en daily, on voit ce qui se passe en daily. C'est que nous sommes à la ramasse, nous sommes en baisse totale. Et qu'on voit ici la Kijun-sen qui nous donne un momentum baissier. Vous voyez comment il est incliné ici. On voit là. Et ce qui est parfait aussi, c'est que la Tekken-sen ici, je me suis trompé, je crois, ça c'est Kijun-sen, hein, ok. Et la Tekken-sen en rouge ici, vous voyez comment elle donne le momentum baissier, mais c'est pas tout, mais en plus il est collé au prix. Donc, quand j'ai remarqué ça, c'était depuis ici, hein, aussi, vous voyez la ligne noire ici, c'est là que j'ai pris position, le rouge qui est là, c'est stop, j'ai déjà fait un grand event. Ok, mais là je vais faire un deuxième. Donc vous voyez ici, quand j'ai vu cela ici, il y avait un petit plaque Tekken-sen ici, donc moi j'ai pris position et j'ai mis mon objectif, je l'ai mis en weekly. J'ai vu ici en weekly, vous voyez le bas qui est ici, l'insertion. Le bas qui est ici, tout simplement, montez. Le bas qui est ici, c'est mon TP. Le rouge qui est là, vous voyez, c'est marqué ici, TP. Hein. Donc, le deuxième rouge qui est là, c'est mon TP. Et on voit que, voilà, on n'a pas... en weekly, ok, on n'a pas été loin de le toucher. Mais c'est pas grave, de toute façon. Moi, j'ai mangé ce que j'avais à manger, donc... Maintenant, je m'en fiche en fait qu'on vienne chercher ou pas. J'ai déjà mangé, c'est bon. Donc, voilà comment j'ai placé mon TP. En daily, vous voyez que nous sommes à la ramasse. On avait déjà dépassé ce point qui est ici. En vrai, vous voyez, c'était le bas qui est là. On l'a dépassé. Les derniers bas qui sont étaient déjà dépassés. Et il y a déjà eu un petit pullback ici. Et après. C'est parti à la ramasse, c'est cool. En H4, on voit, bon, j'ai déjà tout dit en H4, j'ai pris position et j'ai mangé tout ça. Jusqu'à maintenant, je suis en position, en sel. Donc, en H1, bon, voilà. En M15, on va maintenant déplacer notre stop loss, d'accord. Et surtout, il faut pas placer n'importe comment. Il faut que notre stop loss soit justifié. D'accord, dans les trois horizons de temps, d'accord, dans M15, à commencer par le M15, le et H1 et H4, d'accord. Donc sinon, si tu fais du très long terme, hein, swing long terme, tout ça, si tu veux, choisis tes horizons de temps, pardon, c'est-à-dire weekly, daily, H4, il faut que ton stop loss soit justifié. C'est-à-dire, il faut pas que ton stop loss soit mis au hasard comme ça, mais il faut que dans les trois périodes de temps soit justifié, c'est-à-dire à un endroit clé. Ok, donc là, vous voyez ce que j'ai mis ici, j'ai mis un rectangle en noir ici, c'est que quand ça c'était hier, quand j'ai vu que
le nuage commençait à faire un twist ici, le twist qui est là, vous voyez le twist qui est là. Là, Kijun-sen était orienté, avait fait un plat ici, hein, aligné avec une SSB ici. Donc ici, je m'attendais à un range probable ici. Donc j'ai placé le rectangle qui est là. J'ai voulu faire une vidéo hier, mais j'ai pas pu parce que le réseau n'était pas au rendez-vous. Donc voilà. Et donc j'ai tracé ça et j'ai voulu déplacer le stop tout de suite, mais après le réseau n'était pas là, donc j'ai laissé. Donc de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc j'ai tracé ce rectangle. Ok, d'abord on va enlever, après je vais le tracer devant vous. Il n'y avait pas encore cette partie qui est là, il n'y avait pas encore toute cette zone qui est là. Il n'y avait pas encore tout ça hier. Il n'y avait que... De toute façon, on va faire ça. Enfin, CTRL Y. Vous voyez, donc moi hier nous étions que dans cette zone, encore cette zone là, que cette zone, voilà, que cette zone, et donc cette partie n'existait pas encore. Donc ça c'est aujourd'hui, d'accord. Donc j'ai parlé de hier, donc quand j'ai vu ce twist qui est là, d'accord. Après il y a eu, voilà, il y a eu ce que j'ai déjà dit, la Kijun-sen, la SSB qui était là ici les deux. Donc j'ai pris tout simplement mon rectangle, j'ai tracé comme ça, je l'ai tracé comme ça, d'accord, un tout petit peu ici en bas ici, voilà, je l'ai tracé comme ça. Et donc j'allais déplacer mon stop loss et bon, on a le réseau est parti, donc j'ai laissé. Donc maintenant je vais déplacer le stop loss, et le stop loss c'est cette rouge, cette ligne rouge que vous voyez ici, d'accord. Donc j'ai déjà mangé pas mal de points, il suffit que j'aille sur cette ligne, vous voyez, hein, il y a des informations qui sont visibles, d'accord. Il est marqué profit, c'est 305,94 euros, donc ça c'est ce que j'ai déjà sauvegardé dans mon trade, et on a fait combien de points, 339 points, d'accord. Et donc maintenant je vais tout simplement le déplacer et je vais le mettre ici, d'accord, ici, puis le milieu ici, parce que pourquoi ici, parce que hier j'ai voulu le mettre en haut ici. Bon, je déplace jusqu'à là, d'accord. Donc là mon stop loss est déplacé, donc là j'ai sauvegardé les quelques, j'ai sauvegardé 591 points, donc ça nous donne 533 euros de profit, d'accord. Donc là je déplace mon stop loss ici, et après on voit que le marché est baissier, le marché a baissé, hein, jusqu'ici, et là on voit que c'est cette zone, hein, on va dire que j'ai tracé hier, on va dire comme ça, ok, cette zone de cette borne basse de mon range probable ici que j'ai tracé, qui est en train d'être travaillé ici, d'accord. Donc quand les prix vont venir ici à peu près le milieu de ce range probable, qui n'est pas un range, d'accord, mais c'est ce que je voulais, c'est dans l'idée, quand les prix vont venir au milieu ici, ok, avec cette SSD, s'il casse cette SSD, là c'est mort, on va changer de tendance. Donc ça vaut pas vraiment la peine de rester en position. Donc moi je vais tout simplement déplacer encore une fois mon stop loss jusqu'à cette zone qui est là, d'accord. Mon stop loss, donc là vous avez entendu comment j'ai justifié mon stop loss, c'est à dire il faut que le stop loss soit justifié, d'accord. Donc moi j'ai remarqué cette SSB qui est là, d'accord. Il y a une SSB qui est là, voilà, il y a une SSB qui est là, ok, il y a une plat SSB qui est là, et ici aussi nous avons encore Kijun-sen, c'est pas ce que je voulais faire, ici nous avons une Kijun-sen, hein, au milieu ici, Kijun-sen plus SSB, ils ont fait ceci là. On les aligne comme ça, donc ça nous donne une zone, d'accord. Donc nous avons cette zone qui est là,
Ok, donc si cette zone vient d'être cassée, donc là c'est mort parce que la lagging span qui est là va valider ce mouvement. Donc les prix pourront faire ceci, les prix pourront venir jusqu'à là et peut-être faire un range au milieu comme ça, faire des zigzags ici, hein, comme ça à peu près, c'est bon ici. Hein. Et après on sait pas, peut-être que ça peut reprendre la baisse, ok, sinon ça peut remonter et casser ce bond qui est là, d'accord, c'est bon pour venir ici et faire des zigzags pourquoi là qui en M15 ici on va simplement agrandir notre rectangle comme ça, sinon ils peuvent aussi monter jusqu'à là, ok, et redescendre après, d'accord, mais quoi qu'il en soit les prix s'ils viennent à casser cette zone, ok, on est dans la merde, d'accord, donc vaut mieux prendre nos positions et quitter le trade tout simplement. Donc moi je vais descendre encore une fois mon stop loss, d'accord, parce que je ne vais pas perdre plus ces quelques points, d'accord, je ne vais pas perdre ces quelques points, donc je vais tout simplement baisser encore une fois mon stop loss ici et là j'aurai combien, j'aurai 691 points de sauvegarder, d'accord, donc si maintenant si les prix viennent là et ils cassent en haut, ils vont prendre mon stop loss et là c'est bon, je ne serai plus dans le trade, d'accord, après on ne sait pas, après on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas un M15, si les prix nous cassent cette on va voir ce que ça donne, on va voir cette bombe ce que ça donne en H4, ouais, en H4 ça donne cette plat Tenkan-sen qui est là, ok, mais il est aussi renforcé par ce plat Kijun, donc si ça casse ça, il y a encore cette zone qui est là, d'accord, donc ça peut être bloqué, hein, ça peut être bloqué, donc, et continuer la baisse. Donc peut-être à tort que j'ai déplacé mon stop loss, malgré avec toutes ces zones qu'on voit ici, c'est à tort que j'ai déplacé mon stop loss. Ça c'est sûr, d'accord. Mais après, si on casse, on voit ici un H4, si on casse la Tenkan-sen qui est là. Là c'est mort, il faut pas être con, il faut pas être cupide. Si on casse ici, on va tout simplement aller chercher la cette zone, les zones qui sont ici. Donc ça va, je laisse mon stop loss là. Je pourrais même le déplacer jusqu'ici, d'accord, parce qu'après si on casse cette Tenkan-sen en clôture ici, il est fort probable qu'on aille chercher la Kido-sen qui est là. Ok, mais là après quand on regarde la lagging span, on voit qu'il y a eu un nouveau, on voit, ok, vous voyez, quand on regarde la lagging span ici, il y a eu un sommet qui est là, il y a eu un petit sommet qui est ici, donc on voit que c'est cette zone qui est en train d'être travaillée, hein. Donc si on casse cette zone là, si on casse ce sommet qui est là, donc c'est mort, on va aller chercher en haut, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer ici, c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc je pourrais descendre mon stop loss aussi, hein, je pourrais le descendre aussi en bas à peu près ici, hein, parce que si on le casse, si on casse cette Tenkan-sen, c'est mort, on va aller chercher la Kijun-sen qui est là, et donc là on aura perdu tous ces points qui sont là, et là on voit que ils sont bien partis pour aller le chercher, ils sont bien partis pour le casser, hein, d'accord. Donc, en H1, on voit, en H1, nous avons, hein, vous avez, on voit ici trois bougies bleues qui sont là, ça c'est parfait pour les acheteurs, donc ça nous dit que les acheteurs sont là, ok, ils ne se laissent pas faire, donc ils vont aller chercher, donc voilà, et donc voilà, c'est en train de monter, mais tant pis, c'est pas grave, ouais, la Tenkan-sen nous a donné un momentum haussier ici, ah ok, et la Kijun-sen
ne donne pas un pause qui est là, qui va s'aligner avec cette SSB qui est là, donc une pause. Donc c'est un petit poussé, ok, qui est donné par les acheteurs. Donc moi je suis serein, pourquoi? Parce que je suis rassasié par ce trade, donc je m'en fiche un peu s'il montre mon stop loss ou pas. Donc là je suis tranquille. C'est pour cela que j'ai appelé ma chaîne YouTube, je l'ai appelé Ishimoku Zen Trading, parce qu'avec Ishimoku on est serein, on est tranquille. Donc là par exemple, si j'étais réveillé, je sais pas, dans la nuit, je sais pas, il était quelle heure là, à 6h du matin, si j'étais sur le marché, là j'aurais été déjà sorti du marché. Pourquoi? Parce que j'aurais tout simplement déplacé mon stop loss à peu près ici, donc j'aurais été sorti par un stop loss. Mais voilà quoi. Donc moi je suis tranquille, je laisse ce trade comme ça, ok. Voilà ici, hein, qui est celui qui est ici, là on voit cette zone qui est là, qui est alignée. Il y a plein de Kijunsen qui sont alignés avec la SSB qui est là, ok. Donc le prix pourra bien venir ici comme j'ai mis ici et redescendre jusqu'à là. Je m'en fiche un peu parce que je suis rassasié, donc tu peux aller chercher ça si tu veux. Vous voyez, nous sommes à 691 points. Tu peux aller les chercher si tu veux. Mais je prends le risque de laisser mon trade comme ça pour tenter, en fait. Ok, on n'est pas sûr du tout, mais pour tenter cette zone. Ok, c'est zone que, voilà, attendez. Cette zone. Ok. Il y a cette zone. Ok, cette zone c'est une forte zone qui est là. Donc, ça peut résister. Cette zone pourrait bien résister ou être cassée. Voilà. Voilà, cette zone jaune qui est là, qui pourrait bien résister au prix, sinon être cassée. Mais voilà quoi, s'il est cassé, il est cassé. Hein. Là, on voit là, que c'est en train d'aller chercher. Hein. Ok, on voit. Et on voit la Kijunsen ici qui nous a donné qui est devenu oblique, ok, qui nous donne un momentum haussier, d'accord. Donc là ce sont les acheteurs qui ont pris la main, mais c'est pas encore grave. Pourquoi? Parce que nous avons notre stop loss ici, donc on est tranquille. Et là nous avons la lagging span qui doit valider tout ce mouvement là. La lagging span doit sortir du nuage, d'accord. Et là on voit il y a une SSB qui est là, donc moi je suis tranquille en tout cas, d'accord. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques indications, ok, vous aura donné quelques informations à mieux connaître Ishimoku, d'accord. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager, merci de la liker, merci de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord. Donc là nous sommes le 29, nous sommes jeudi 29 et il est quelle heure, il est 11h. Donc moi je vais laisser ce trade comme ça et après vous pouvez suivre le trade de chez vous, hein. Et après voilà, on verra. Sur ce, merci beaucoup de votre fidélité. Et ciao ciao, on se donne rendez-vous à la rentrée, tout simplement, en septembre, la deuxième semaine de septembre. On va reprendre les analyses, les vidéos d'analyse et après-analyse. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre sur les commentaires, sinon venir discuter sur Facebook et bientôt sur Insta. On n'est pas encore trop actifs, mais on le sera et il y a un projet qui est en train de se préparer, ok, qui a l'usine. Sur ce, il n'y a que les fidèles qui auront plus de nouvelles là-dessus. Sur ce, One Piece, One Love et Ishimoku Zen Trading, soyez prudents sur les marchés. Ciao, ciao.